Kevin, c'est un joueur vraiment physique, hein, athlétique au sens du terme. Il fait 1m83, il est lourd, il fait 87 kg, c'est beaucoup de muscles. Il est très explosif. Il a beaucoup de puissance, ça va avec. C'est un milieu de formation, donc il a aussi de l'endurance, ce qui lui permet de répéter des efforts en match. Bon, c'est les gabarits modernes, on va dire, sur des postes où il faut vraiment être robuste quand même. Ouais, il est très consciencieux, très pro. Ouais. Bon, on n'en attend pas moins, hein, de joueurs professionnels. C'est vrai qu'il faut, avant la séance, se mettre déjà en route un petit peu pour préparer l'organisme, tant physiquement que mentalement. Donc déjà, le joueur s'isole un petit peu dans la salle de musculation, fait des exercices, certaines musculations, un peu de prévention, d'autres des abdominaux, d'autres un petit peu d'étirement. Mais voilà, c'est une façon de se préparer à faire une bonne séance, à être concentré du début à la fin. Nas. Mais ouais, j'ai chanté Nas et c'était. Je connaissais plein de chansons avant quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que j'écoute moins de musique. J'écoute du rap français ou toutes sortes de musique sauf le métal, à part le métal. Et Nas, c'est vrai que voilà, je connaissais les paroles, c'est assez facile et on retient assez vite. Donc voilà, j'avais chanté ça quand j'étais arrivé à Cardiff aussi et j'ai rechanté ça à Saint-Té. On va dire que j'ai choisi la facilité. I know I can be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be, I'll be where I wanna be. I know I can be what I wanna be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be, I'll be where I wanna be. Be, boys and girls, listen up. You can be anything in the world, God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, you can take practice. Et ça me permettait de parler anglais encore, donc. Mais c'est vrai que j'aime bien cette musique, donc voilà. Et puis, si tu t'écoutes les paroles, c'est vrai ce qu'il dit, donc voilà. Travailler, et puis voilà. Tu peux devenir ce que tu veux. Bah, c'est quelqu'un déjà très discret. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, on entend pas trop, mais voilà, je pense qu'il est content d'être ici, je pense content du groupe de Saint-Té. Et puis non, c'est un bon joueur, voilà. Je pense que quelqu'un de très très sérieux dans la récupération, quelqu'un de très consciencieux et de très pro. On s'est croisé un peu en sélection jeune. Donc oui, je le connaissais et ouais, très content qu'il nous rejoigne. C'est un bon mec et un bon joueur. Voilà, je le connaissais un petit peu et c'est quelqu'un qui s'est très bien intégré ici au club. Voilà, il est arrivé sur le dernier jour du mercato, mais comme connaissait déjà 2-3 joueurs de l'effectif, ça s'est bien passé. Puis c'est quelqu'un de tranquille, voilà, qui ne se prend pas la tête. Voilà, on l'a mis à l'aise et c'est très très bien intégré. Non, je connaissais le joueur. Je l'ai côtoyé en tant qu'adversaire. Donc. Kevin, ouais, je l'ai connu durant les sélections de jeunes. Et c'est quelqu'un avec qui je me suis tout de suite entendu. Et, je me rappelle qu'il y avait eu un tournoi aussi qu'on avait fait ensemble et on avait été dans la même chambre. Donc voilà, c'est un mec que je connais, c'est un mec super sympa. Et puis sur le terrain, c'est un super joueur. Donc c'est très bien qu'il soit là. C'est vrai qu'il est arrivé, il a vite joué et ouais, je pense qu'il a cette faculté aussi à vite intégrer. C'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de simple et ouais, ça correspond aussi au groupe. Donc ça, je pense que ça a beaucoup aidé pour son intégration et puis ça s'est vu, il a direct joué des matchs et ça s'est bien passé. Donc voilà, faut que ça continue maintenant, ça va continuer. Il paraît plus vieux comme ça mais c'est un jeune joueur, hein. C'est un 89 je crois, donc voilà, un jeune joueur, mais un bon joueur. C'est un bon joueur, voilà, qui est... assez de polyvalence, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur un côté, voilà, c'est un gros gabarit, voilà, quelqu'un qui est costaud dans les duels, et puis voilà, un bon mec, voilà, on apprend à le découvrir petit à petit, mais voilà, assez réservé, mais voilà, qui,
qui est déjà bien intégré dans le groupe. C'est un joueur qui est très très fort dans le duel. Voilà, c'est un mec qui aime ça, qui aime aller au charbon, comme on dit. Et puis offensivement, c'est quelqu'un qui a pris de l'assurance au fil des années, et voilà, qui se lâche offensivement et qui apporte. Donc voilà, c'est un joueur complet. Ouais. Majeur, même prénom, non composé aussi. Donc et puis pour l'instant, on dort dans le même hôtel, donc ça fait beaucoup de points communs. Mais c'est une bonne personne, franchement. Très calme en dehors du terrain. Mais sur le terrain, c'est un chien, il est très physique, très tonique. C'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de bien depuis qu'il est là. Je pense qu'il faut avoir du mental quand même, parce que quand tu es au centre de formation, tu sais pas si tu vas percer ou pas. Enfin, tu peux avoir des certitudes et tout, mais bon, des fois tu peux être blessé. Il y en a, ils sont blessés, ils reviennent super bien, mais ils reviennent pas. Et on est beaucoup, donc voilà, des fois c'est pas évident. Et puis... La pression, oui, parce que quand il y a les gros matchs, c'est sûr que t'as la pression, mais c'est pas une mauvaise pression, je dirais. C'est une bonne pression. C'est pas trop, ni pas trop de pression, mais pas beaucoup. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est une bonne pression. Ça inhibe pas, en fait. C'est une bonne pression. Bah ouais, ça fait partie du jeu, hein, du football. Si t'as pas de pression. C'est plus du foot, mais bon, t'as de la pression, mais en même temps tu t'amuses aussi sur le terrain, parce que c'est pas tout le monde qui peut dire qu'il est footballeur professionnel, donc je profite aussi en même temps. Bon, on va parler de la Coupe d'Europe, mais je sais que c'est quoi la notion du derby ici. Bon, il y a beaucoup de matchs avant, mais je sais que quand ça va arriver, ça sera chaud, il faudra se préparer pour. Je pense pas que c'est un match parmi 38 autres. Vu le contexte de la ville et la proximité des deux villes, voilà, ce qu'on voit à la télé, je pense que c'est un match spécial, quand même. Deux matchs spéciaux, match à part. Allô ? Allô, allô ? Oui ? Qui est là ? Kevin. Ah, tant mieux, Christophe, enchanté. Ça enchanté va aussi, ça va, merci. Bonjour, bienvenue sur 11-0 si vous nous rejoignez, direction Saint-Étienne, le centre de l'ETRA, pour retrouver un nouvel arrivant. On a l'impression qu'il a toujours été là, c'est Kevin Théophile Catherine. Bonjour Kevin. Bonjour. Je le disais, on a le sentiment en tous les cas, quand on vous voit évoluer avec les Verts, que vous êtes là depuis très très longtemps dans cette maison stéphanoise. Est-ce que vous ressentez la même chose ? Bah, c'est vrai que je me sens bien ici, le groupe est très tranquille. Très gentil et j'ai pas eu de problème d'adaptation. Et c'est vrai que je me sens très bien dans le groupe. Je connaissais déjà 5-6 personnes, donc c'est sûr que ça facilite en fait. J'ai une bonne relation avec les médias, mais c'est vrai que même auparavant, j'allais pas toujours à. Pas souvent à la presse en fait. Pas que je sais pas m'exprimer, mais c'est vrai que j'aime bien rester focalisé sur mon travail, sur le foot et voilà. Mais bon. Après, on peut comprendre les autres. Ça fait partie du métier aussi, je sais que ça fait partie du métier. Et je sais que j'ai quelque chose à travailler là-dessus, mais c'est vrai que j'aime bien rester concentré sur,
sur le foot. Un point réservé, c'est vrai que... Très, très. Tu vois l'essentiel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, quand on me connaît, honnêtement, voilà, je suis pas un grand bavard, mais c'est vrai que mes proches, on rigole bien et... Leur opinion change, on va dire. Une aide à 8500 étudiants qui va alors couper toute perspective d'avenir sans pour autant donner des moyens supplémentaires. Nickel, merci. Bonjour. Bonjour. Merci. De rien. Ça va? Tranquille. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Merci. Derrière. Quand j'étais petit, je supportais des équipes. Et, des fois, j'avais pas la chance de croiser les joueurs aussi près qu'eux, ils nous croisent. Et surtout avoir un autographe ou un maillot. C'est beaucoup pour les gens. Ça fait plaisir. Je vais bien parer, hein. Comme on se parlait des chaussures à la légende, ce genre de foot là, Paris, 190, mais bien Georges Weah. Et ouais, j'étais pour Paris. Modèle pour toi, Georges Weah? Ah ouais, j'aimais bien Georges Weah. Toute ma famille, on aime bien Georges Weah. Ça faisait plaisir de le voir sur le terrain. C'était quelque chose quand même.